Mais d'abord, je veux reparler de ce point de presse des autorités du Maine avec Roger Ferland, enquêteur à la recherche. Salut, Roger. Bonjour, Philippe. Donc, on a un point de presse assez détaillé. On sait que la police comprend qu'il y a de l'impatience dans la population, qu'on se demande, voyons donc, comment ça se fait que ça fait aussi longtemps que ce gars-là, Robert Card, est au large. Et on veut montrer là, qu'on ne laissera rien au hasard pendant les prochaines heures. Effectivement, puis j'ai un deuxième petit axe que j'ai envie de te préciser. Le premier que tu donnes est très bon parce que les policiers, on travaille pour la population. Ouais. Puis tu vois à quel point il a l'air à donner un certain respect aux médias en ce moment pour que les médias rediffusent toute l'information. Mais là, tu sens qu'ils ont assurément des traces, des indices. Okay. On ne va pas fouiller, puis c'est là mon deuxième axe, là. On ne va pas fouiller ce lac-là par hasard. On veut aller rechercher peut-être des traces et des indices, mais peut-être aussi qu'ils ont des signes sur la rive, comme quoi... Il y en a une possibilité en ce moment, du moins, ça m'allume, de dire qu'il s'est peut-être enlevé la vie et on veut trouver ce qui se passe dans s'il n'est pas dans l'eau en ce moment. Oui, parce que de passer autant de temps à chercher à l'intérieur d'une rivière, on ne le ferait pas s'il avait juste traversé la rivière. C'est en plein ça. Oui, il y aurait peut-être des traces et des indices qui auraient lancé, mais il y a beaucoup plus que ça dans les circonstances parce que, puis là, on sent que si on fait ça aussi, on met à découvert beaucoup de nos policiers qui vont être en train, en ce moment, d'être embarqués sur un bateau, débarqués. Alors, si le tireur est embusqué, ben c'est sûr qu'il va nous faire feu. Alors, possiblement, durant la nuit, ils ont travaillé très longtemps. Ils ont observé beaucoup d'informations. On l'a entendu, là, plus de 500 informations. Ça, à chaque fois qu'il y a une information qui rentre, là, trompons-nous pas, là, elle est validée, chacune d'elles. Ouais. Parce que tu sais jamais laquelle va être la bonne, Philippe. Fait que tu peux pas dire, OK, la 23e, on la skip. Il faut tout que tu les fasses. Mm. Mais là, on prend le temps. Je pense qu'ils ont analysé. Ils ont été discrets aussi beaucoup. On voudrait savoir tout, là, tu sais. Le need to know, là, le besoin de savoir et le droit de savoir. Là, on voit qu'il nous a donné de l'information pour qu'on comprenne, qu'on s'explique, qu'on se calme. C'est parfait. Puis ça, c'est stratégie policière. Mais là, maintenant, ils ont des tâches à faire pour s'assurer d'eux. Je serais pas surpris qu'il y aura un petit dénouement dans les prochaines heures qu'on pourrait apprendre, peut-être qu'il s'est enlevé la vie puis qu'on va trouver le corps. Okay. Parce que ce matin, quand on regardait ce qui se passait, il y avait des craintes qu'il puisse être un petit peu n'importe où. Là. Même la frontière canado-américaine, on a renforcé la sécurité parce qu'on se disait, ben en 24 heures, il aurait pu se rendre à la frontière. Si c'était quelqu'un de bien préparé, il aurait pu prendre un autre véhicule et monter. Là, on semble quand même, comme tu dis, ben on va se concentrer là-dessus puis après ça, on verra. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça ne veut pas dire que, regarde, on ne lève pas les périmètres ailleurs parce qu'il y a encore des doutes, mais on marche souvent par probabilité. Il faut que tu élimines tout ce qui est le plus probant, tu sais, parce qu'on n'ira pas sur ce qui est le plus farfelu en ce moment, mais le farfelu ne sera quand même pas écarté. Mais on va y aller par probabilité, et là, c'est probable de voir qu'ils vont concentrer leur fouille là. Il nous en a assez donné pour que, moi, je me dise « OK, parfait ». Ils ont, comme je t'ai dit, ils ont des bons screené. Indices, là. Oui, ils ont screené tout ce qui est rentré durant la nuit. Ils ont éliminé tout ça. Tu vois qu'hier soir, ils sont peut-être pour ça déjà hier soir, qu'ils sont allés éliminer hors de tout doute la résidence de la personne. Est-ce qu'ils ont trouvé des indices là-bas? Il y a eu perquisition, là. C'est important de le rappeler. Oui. Ils disent, on a été sur place, on ne l'a pas vu. Oui. Ils parlaient peut-être d'une deuxième résidence, là, donc peut-être d'un chalet tout aussi qui a été perquisitionné. Donc, dans le fond, on y va par étapes. Là. On coche les cases. OK, il n'est pas chez eux, il n'est pas à son chalet. Où est-ce qu'il peut être? C'est ça. Puis, il a été sage aussi dans ses propos. Tu sais, on l'oublie, mais on veut que tout le monde rentre partout. Là. La police est autorisée en ce moment à des pleines places. On veut aussi que toutes nos preuves soient en survie légale. Alors, plein d'endroits, Philippe, ça nous prend des mandats de perquisition. Mm. Tu ne rentres pas là, mais l'urgence te permet d'en faire un petit peu. Mais il y a une limite dans ce que l'urgence te permet. Si tu n'es pas capable de prouver que la vie de quelqu'un est en danger, va te chercher un mandat, mon grand. Ça, on se le fait dire souvent. Alors, c'est pour ça que là, ça demande du temps pour sécuriser plusieurs lieux, plusieurs périmètres. Ils ont-ils découvert des choses dans la maison qui lui permettent de confirmer une intention de la personne qui ne se laissera jamais prendre? T'sais? C'est pour ça que il ne nous donne pas ces éléments-là, mais on sent que là, tiens, il est temps d'assurer la population. Ouais. Mais là, que les fouilles vont changer de cap un petit peu pour essayer d'avoir une lumière complète là-dedans. Mmh. Est-ce qu'il me semble, si on avait été plus inquiet que le tireur est toujours sur place, pose toujours un danger, le ton aurait peut-être été un petit peu plus alarmiste en disant « Restez chez vous, faites attention, surveillez. » On aurait peut-être plus mis l'emphase là-dessus, là. Philippe, je te donne 100% raison. Là, je dis souvent aux élèves quand je leur enseigne,
tous les comportements non-verbales, la synergologie, bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, il a utilisé beaucoup d'attitudes qui me vont dans le même sens que tu me le décris là, tout à fait. Ah, c'est un petit peu apaisant, mais je pense qu'on change de ton en ce moment, on change de cap, mais on ne veut pas lever notre garde trop vite. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Mais je, ça, en tout cas, j'ai l'impression, ça me semble encourageant pour un dénouement ultérieur. Bon, mais j'espère qu'on va pouvoir régler cette affaire-là le plus rapidement possible pour que les gens aussi puissent commencer à faire leur deuil comme il faut. Roger, toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup d'avoir analysé tout ça. À plus tard. Bye-bye.